Cash it down, got the scratches on the booty spot. When one duty start is when one duty stop. 1 9 to 5, 1 5 to 2. À passer bien, à lever bien en musique, et jusqu'à maintenant nous en bonne humeur, en bonne action, qu'on pas vrai, je l'ai bien passé. C'est dommage, j'ai fait ça une fois par l'année, je t'ai fait deux fois par l'année, ça t'est encore bien. Mais c'est une journée qui bien passé, et en cas de toutes ces associations là, merci pour y avoir pensé à Tikaoti là ça. Alors qu'on va porter bon manœuvre, qui manœuvre qu'on va porter comme ça? Vous savez, en ce monde, à part d'un pont association là, on va juste garder et on va voir qui j'ai ça qui passé et on va fouer même là. Mais en ce monde, c'est là qu'on arrête, à part d'un pont association. Alors ça manière de bailler un petit coup de main? Un petit coup de main. Aidez yo et moi, les enfants, moi, honnêtement, yo qu'a créé mon philosophe. Pourquoi? Parce qu'en son monde, on a fouillé même un petit peu partout. Tu vois? Et ça a toujours été dans ma vie. Ouais, mais connaître? Ah, mais connaître. Et c'est ça qui fait moi connaître un travail comme moi fait, comme qu'a fait, comme moi qu'a appris. Et jusqu'à maintenant, comme qu'a fait toujours, c'est la plomberie. En gardant et en fouet même moi apprendre. Et en l'aider meilleur là maintenant. Et jusqu'à quand on ne l'a pas regretté? Jamais. C'est là que moi je vais regretter. Dieu seul sait qu'on dit papa moi. Qui peut t'en envie rajouter? Quand tu journées là continuer comme ça, quoi pas ni désordre. Et quand ça va faire l'année prochaine, même bitel. Et à Radomès. Qui nous va là, Gold Chop? On l'a, et vous? Posé? Ouais, et toi? Ça se passe? Allons, si bonheur. Quoi? Comment vas-tu? Dis-moi. Parlez-moi des activités, ça vous dit gym, mais au-delà de ça, qui j'en fais commencer? Là, tu m'envoies, moi. Bon, en fait, on dit gym, mais Ezikat est spécialisé. Donc, on va travailler avec Timoun et famille qui bisait Timoun aide. Vous voyez ce que ça veut dire? Et musique, c'est passion. Donc, j'ai commencé parce que j'ai acheté des disques. Eh bien, rencontrer les bons mounes, eh bien, voilà, la passion est là, la famille a fait de la musique et jusqu'à maintenant, là. Hein. Là, ouais, bref, moi, je vais vous détailler quand même. Mais pose des questions, ça va plus vite. Parce que là, tu me demandes, voilà, je suis sans filet. Je suis sans filet, c'est plus dur. Pour commencer à quel âge? Là, ça fait au moins 10 ans maintenant. Donc, comme j'ai 40 et des poussières, ouais, on va dire 26, 27. Hein. Arrivé au très loin, est-ce que quand je vais prendre le soir et jouer? Ça doit être ton anniversaire. Anniversaire, je connais comme tout le monde, hein. C'est pas encore payé, mais comme on est ces disques là, ou genre à la pointe, tout le monde a dit, oh, c'est une session là, ça, c'est une session américaine là, c'est qu'à marcher, bien ici. Mais que j'en fais retrouver en vinyle là? Vinyle là, c'est un bougamouin qui était un grand sec, qui était débarrassé de platine. Et comme hip hop, c'est vinyle, c'est scratch, c'est vite là, ça, et bien voilà, hein. C'est pour ça que nous faisons ça. On a commencé avec des. Voilà, on petit appareil qui a fait un petit désordre. Après, on commence à acheter des disques petit à petit et petit à petit, tu arrives à connaître quel matériel il faut utiliser. When we touch them, the old man shall long.
Mais techniquement, qui ont fait ouvrir, qui ont fait appeler? Quand il a sa piste simple, on y a internet, YouTube, tel à ça. Technique là, c'est à force couper, c'est votre des mixtapes, de temps des cassettes, des boucles comme Killer, tu as fait des cassettes, tu as fait des CD. Qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'a fait ça? Après, petit à petit, j'ai commencé à faire des. J'ai travaillé des cours par cassettes vidéo. Comment tu mets ta main, j'ai travaillé des petits trucs et des petites astuces, tu vois. Et après, c'est à force de pratiquer, comme tous les instruments. Mais où spécialisé là, qui domaine? Bon, on commençait avant tout avec hip-hop et R&B. Pourquoi? Parce que c'est Yo qui était café vinyle. À l'époque, on a toujours acheté disques, hein, côté M. Béville, acheté cassette, acheté ceci, des là ça. Après ça, on a toujours été consommé l'eau musique américaine, l'eau musique de l'extérieur. Mais les parents ont toujours acheté tout ce qui était local, les aigrons, et les bitins internationaux, les bitins français aussi, tu vois. Et petit à petit, à force d'écouter, on va dire, mais quoi choisir, style là. Quand il y a là, comme ni des logiciels, c'est plus simple de jouer tout le genre de musique. C'est pour ça qu'on est là, en ouvert, répertoire en main, on te dit. Mais au départ, on sont curieux, donc on aime les musiques. On peut essayer, non bon, non son, bon, qui c'est Broca, qui c'est Zouk, qui c'est international. En fait, c'est bien pour mais si on veut être pour mieux quand on y sort, pas j'en savent. On va pousser des animations là ça, on est grand monde, petit monde, et il faut de la musique pour tout le monde en fait. Après, j'aurais fait adapter face au public. Déjà, on va regarder. Par exemple, là, ce public là, écoutez, il boit de l'homme. Quand tu vois qu'il y a des grands, des petits, des ados, donc tu joues la musique aussi bien pour les petits, pour les moyens, les grands, mais aussi pour, j'ai envie de te dire, quelles que soient les races, tu ne vas pas jouer que de l'américain. Ouais, on commence à jouer Vukum, on joue François Ladezo, entre temps nous jouer Bob Marley, nous jouer, voilà. On regarde le public avant tout. Là, on dit qu'il a joué. Il fallait jouer pour ça. Il aime ou le public là, ça me public quand même. Ça va dépendre. Si c'est un DJ qui s'est appelé généraliste, ton médecin, ou un médecin généraliste, ou quand il côté, il a dit voilà ce que j'ai vu, voilà ce que tu as. Un spécialiste qui a dit moi, je m'occupe uniquement de ça. Si tu veux voir plus de choses sur tout le corps, va voir le généraliste. Et quand ça te demande quelque chose de précis, il t'envoie vers le spécialiste. Donc, si vous êtes un DJ généraliste, vaut mieux qu'on valise ça au niveau tout putain. Si vous décidez qu'on soit DJ Zouk Compa, eh bien, foncez à dans Zouk Compa, hein, parce qu'on y place pour tout le monde. Mais en plus, international, hip-hop, US, eh bien, dancehall. Donc c'est dans ça qu'on a senti qu'on a investi le plus. Voilà. Est-ce que la passion là, ça permet de voyager en l'eau? Ouais, de plus en plus. Parce que justement, nous avons une richesse, c'est que le fait d'habiter les Antilles, on a des influences de partout. Donc on écoute aussi bien ce qui se passe en Caraïbes, on écoute ce qui se passe en France, en Afrique et aussi aux États-Unis. Donc de plus en plus, on demande ce type de DJ qui va pouvoir faire la différence, tu vois. Donc je pense que pour tous les DJ de la Guadeloupe, de la Martinique, essentiellement ceux qui sont français et caribéens, je précise bien français et caribéens, on a une possibilité d'aller à l'extérieur. Donc oui, ça va faire voyager et ça va continuer à faire voyager. Concernant la Guadeloupe, qui est le plus beau souvenir qui marque? On a des souvenirs qui sont des grosses scènes. Par exemple, festival, Guadeloupe Festival, c'était un spécial hommage à Patrick Saint-Éloi. Ou bien sinon, nous mis Fête les Saintes de haut. Voilà, ça c'est des gros événements. Nous avons l'eau moune, et bien on va sentir que tout le monde est en communion, et bien même si on est au podium. Et quand on joue musique, bah, petit, moyen, grand, et bien même les plus âgés. Aujourd'hui, je crois qu'on fait passion, hein, je crois qu'on vivre. Pleinement. C'est-à-dire que je fais mon travail d'éducateur, et dès que j'ai du temps, on va jouer musique, et j'essaie d'aller au maximum. Donc,
de chercher des dates autre part, faire des manifestations, être sur les festivals. Je pense que je veux dire, voilà, ne pas rester uniquement derrière ces platines en mode boîte de nuit, quoi. Mais quand on met soirée mobile, soirée discothèque, qu'est-ce que c'est soirée on met? Ça peut dépendre. Je pense que c'est une question de... Soirée discothèque, c'est très bien, et soirée mobile, c'est super aussi. Je me bloque pas. C'est d'abord les conditions de travail. Dès que toutes les conditions sont réunies, eh ben, on fonce. Hein. Pourquoi t'as pas conditions? Conditions, c'est... qui... matos qu'il a. Donc je parle de qualité sonore. Je parle aussi de cachet. Léopalium de l'argent qui n'est pas couru. De toute façon, très souvent, il y a des possibilités, mais les gens te disent au dernier moment, ouais, ben, je trouve que c'est trop cher. Vaut mieux commencer par les prix, au moins on est d'accord, et une fois qu'on est d'accord, on va coller. Qu'est-ce que tu avais dit pour tout ça, nous, à dire là? Ben, déjà, big up vous, parce qu'on va faire travail là. C'est bien d'avoir un site qui met en avant ce qui se passe sur la région. On se connaît depuis un bout de temps, donc Marrakech, ça, c'est bien. Et en même temps, c'est de la visibilité pour tout le monde. Et sinon, par rapport à la journée se passe très bien. Il y a parents, enfants, et la municipalité a une bonne idée sur ce genre d'action. Il faut continuer comme ça. Alors, journée là, c'est bon, ouais, c'est 11 jours des bonnes enfants. Donc, nous, aujourd'hui là, nous, les derniers jours de la manifestation, nous avons été chez Abaster, donc édition 7. Et à ça, nous dédié à tout le monde qui a fini vacances à yo, bien qui a commencé vacances à yo, en manière pour nous retrouver yo, en famille, pour yo retrouver yo à dans l'enmer. Donc nous proposer yo des activités exotiques telles que canoë kayak, paddle, flyboard, balade en mer pour yo garder Abaster au pied de mer. Et nous proposer yo aussi massage, nous proposer yo aussi atelier manuel, roche, galette et poisson. À vos matins là, nous commençons à Nevers, nous commençons à faire l'inspection. Donc, premier vidéo, nous venons d'abord c'est sur l'île de Méliata parce que nous mettons au périmètre, c'est sur la baignée, en sécurité, pour bien y aller à l'aise à y aller, ça il ne peut pas baigner, mais si nous allons, il faut veiller par deux sur l'île de Méliata. Après, nous commençons à faire pas de là. Et puis, un petit moment après, nous trappons Flyboard. Flyboard, ça magnifique, tout le monde aime Flyboard, donc nous trappons l'eau. Essayer de faire là et après midi là nous faisons canoë et kayak et nous continuons les autres activités et puis voilà là nous lit balade sur mer donc dans le monde qui avait découvert Bastien donc rotation là qu'a fait systématiquement de la marina de Rivière-Saint jusqu'à cimetière Bastien. Panier réellement au plage. Et cric là ça, il n'y a l'état sauvage, mais il n'y a ça, il n'y a l'emmène, mais il n'y a rivière là, il n'y a rivière Galion. Et tout le monde Bastien, tout le monde connaît Bastien, qui est le Bastien, savent que nous tenions galette avant et tout le monde est réveillé. Maintenant, avec un rochement là, c'est vrai que c'est modernité, il faut nous la modernité et protéger nous de l'emmène, donc nous faisons un rochement là et nous faisons la ce galère. Ça fait moun traverser à Igis Rivière-Saint pour ça garder bâtir et baigner. Pourquoi pas baigner en piquette en cric là ça en fait. C'est pour ça que nous faisons activité là ça, pour ces mouns à connaître plage là. Pour y'a fini en la plage là ça. Pourquoi c'est à renouveler? C'est pas la première fois que nous venons là, hein. C'est la troisième fois en jour. Et chaque fois, mon gars découvert six côtés à Bastien, mon côté comme vous parlez. Voilà. En termes physique, tout le monde, merci, c'est mon gars qui est là. Merci à les associations. Merci à ce mon gars qui a coué que Bastien, pas une ville morte, hein, mais son ville qui est dans le cadre de ville, nous va pour démontrer encore, nous ni l'envers, nous ni rivière, nous ni verdure et nous ni positivité. Donc, vini Bastien, vini Guadeloupe, on nous allait pour nous bouger avec Bastien.